Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et voici le second épisode de mon let's play de Mario Golf World Tour. Vous êtes quelques-uns d'entre vous à m'avoir demandé de vous montrer en fait les différents personnages du jeu, en gros de jouer avec. Je ne vais pas le faire maintenant, et je vais vous montrer pourquoi en fait. Donc quand on va dans le mode normal, on peut jouer avec des persos autres que les Mii, voilà, partie rapide, et en gros, je n'ai que ces personnages-là. Donc il m'en reste 4 à débloquer. Et en fait, je pense que je vous montrerai les persos une fois que j'aurai débloqué tout le monde, parce que je vois pas trop quel intérêt pour l'instant de vous les montrer comme ça. Donc il m'en reste 4 à débloquer. Certains savent peut-être qui c'est, les autres, vous verrez. Par contre, j'ai ici réussi à télécharger le DLC, donc j'ai Mario d'or et Toadette. Donc je vous les montrerai aussi hein, une fois que j'aurai... D'ailleurs, je l'ai en étoile, lui. Ok. Donc je vous montrerai tout ça une fois que j'aurai débloqué tous les persos du jeu. On fera des défis, etc. En enfin, je vais faire du club du château. Alors. Donc là, on va faire un tournoi. Hein. Ce mode de jeu est apparemment pas très très long, parce qu'une fois qu'on a fait les tournois, on a déjà un générique de fin qui s'affiche apparemment. Enfin, j'ai lu ça vite fait. Alors. Donc. Le parcours de la forêt, ok. Bon, on va faire le parcours de la forêt. Hein. Alors. Bonjour, je suis le démarreur du parcours de la forêt. En quoi puis-je vous aider? Partie d'entraînement, ok. Voilà, on va commencer une partie d'entraînement sur le parcours de la forêt. Ce qui va nous donner en fait un point de handicap apparemment, qui nous permettra de faire des tournois. Alors, donc là c'est enfin des parties en conditions réelles. Alors, mince, plutôt mauvais, tant pis. De toute façon, là, c'est l'approche, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit super précis non plus. Voilà. Voilà, on va arriver sur le green. Vu qu'il y a du vent, je me décale un peu. Hein. Mince. Bon, tant pis. Ah, je ne suis pas suffisamment décalé. Et la balle arrive, genre, super loin, quoi. Enfin, jamais j'arriverai à mettre une balle comme ça. J'en suis incapable. Oh. Elle va s'arrêter juste avant. Et voilà, comme d'habitude, ça m'arrive tout le temps. Je vais faire une normale, tant pis. Et voilà. Donc si j'avais... Donc ça veut dire que je vais faire un score de 0, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, il y a beaucoup de trous. Waouh. Bon, on va tous les faire. Hein. Alors c'est par là-bas. Ok. Parfait. Faut juste pas tomber dans les hautes herbes, parce que si on tombe dans les hautes herbes, là, c'est super dur d'en sortir. Enfin, faut faire... En fait, non, on en sort en un coup, mais ça fait un coup de perdu, quoi. Mince, tant pis. Allez. Oh, oh, on va tomber dedans. Oh, mince. Trop fort, tant pis. J'aurais dû tirer un peu moins fort, tant pis. Mince. Ah, là, c'est très mauvais. Ah bah non, c'est bon. Et voilà, un oiselet. Donc un oiselet, en fait, c'est un birdie. Hein. C'est-à-dire qu'on a marqué le coup en un tir de moins qu'il le fallait. Enfin, en un coup de moins qu'il le fallait. Donc c'est quelque chose de très bien. Hein. Enfin, c'est pas non plus ouf, mais c'est pas mal. Même si c'est pas le meilleur score. Je sais pas comment ça s'appelle quand on fait un double oiselet. Enfin, moi, je dirais un double oiselet, mais... Je crois que le double oiselet... Ah, j'ai failli faire un trou en un. Donc le double oiselet, ça doit être le score le plus fort qui doit être possible d'avoir en fait, mais je sais pas comment ça s'appelle. Parce que, ou le trou en un sinon, mais souvent quand un coup, enfin quand un trou a été défini pour être fait en un certain nombre de coups, c'est impossible de le faire en 4 coups de moins. Alors, là par contre il y a un gros vent. Voilà, ça m'a l'air bon. Parfait. Ah, il y a un arbre. Ouais, mais je passe juste au-dessus, c'est cool. Alors. Là voilà, c'est marqué en haut à gauche, il y a marqué normal 5. C'est-à-dire que pour faire la normale, donc, eh ben, il faut avoir ça en 5 coups. Enfin, il faut avoir le trou en 5 coups. Là par contre, j'ai tombé dans les hautes herbes. Ouais, c'est bon, il s'en est sorti, c'est bien. Donc là, ça va être mon troisième coup.
Ah, normalement, en jouant bien, il y a moyen de la mettre. Hein. Ouais, mais je joue pas suffisamment bien. Pourtant, c'est parfait. Hein. Non, tant pis. Alors là, vu que je suis à mon quatrième coup, si j'y arrive, je fais un oiselet. Mais ça, j'y arriverai pas. Eh ben si, je suis trop... Enfin, je me critique un peu trop. J'ai fait que des oiselets, donc c'est bon. Alors, ouais, bon. On va faire comme c'est conseillé. Mince. Tant pis. Par contre, j'ai un peu de mal à voir où tout ce mode va nous emmener. Allez. Ah oui, non, c'est vrai que... Ouais, il y a le vent. Bon, allez, on va lui faire confiance, on va faire ça. Ah, il y a le vent et aussi la pente. Ouais, j'aurais peut-être pas dû lui faire totalement confiance non plus. Tant pis. Là, par contre, c'est dur, hein. C'est loin. Bon, on va voir. Ouais, c'est un peu trop loin. Ouais, ça aurait été impossible, là. Tant pis. Bon, je fais une normale, hein. Si j'avais loupé, mon Dieu, j'aurais fait un bogey. Ça s'appelle un bogey quand on fait un de plus. Enfin, un point de plus. Alors, voilà, c'est juste une ligne droite, hein. Mince, pas grave. Faut juste pas tomber dans le sable. Ça, tomber dans le sable, c'est la pire des choses. C'est encore pire que de tomber dans l'herbe. Ça s'appelle le bunker. Je sais pas comment ils appellent ça dans cette version, mais c'est juste horrible. Allez, voilà. Ok, ça m'a l'air bien là. Parfait. Et là, on va faire une belle approche. Ah non, on est trop loin. Mince. J'aurais dû tirer plus loin. Je sais pas trop comment s'orienter, hein. Tant pis. Non, ah, on est passé juste à côté. Bon, une normale. Voilà. J'arrive toujours à moins d'un mètre du truc. C'est assez chaud. Et il y a énormément de trous. Ouais, allez. Faut pas tomber dans l'eau. L'eau, c'est hors-jeu, je crois. Enfin, on perd deux coups, il me semble, dans ce jeu. Mais dans la réalité, il me semble que c'est hors-jeu. En même temps, c'est normal, hein, la balle, on pourrait aller la rechercher quand elle est dans l'eau. Enfin, si, on peut aller la rechercher, mais déjà, personne ne le fait. Et en plus de ça, ça sert à rien d'aller la rechercher, vu que elle peut pas être replacée. Elle peut pas être retirée, de toute façon. Mince. Allez, là, faut la mettre. Parfait. Bon, pour l'instant, j'ai moins 3 points, ce qui est bien, hein, faut avoir des points négatifs. Enfin, moi, j'appelle ça des points, je sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais... Enfin, un peu... Enfin, c'est le même principe, quoi. Alors... Ouais, ça m'a l'air bon. Il faudrait peut-être aussi que j'achète de nouveaux uniformes. Je dois pas avoir énormément de pièces, mais... Il faudra un peu se renouveler. Parce que là, le truc de base, bon, c'est pas moche, mais bon. Ah ouais, ok. Bon, là, c'est bon. Ouais, belle approche. Par contre, là, ça a l'air d'être sacrément pentu. Bon, en fait, j'en sais rien, je sais pas du tout dans quel sens c'est pentu. Allez. Je fais ça un peu au pif, quoi. Oh non. Bon, tant pis. À 0,68. Allez, normal. Tant que c'est pas un bogey, ça va. Oh, là, avec pas mal d'obstacles. Les parcours commencent à se... Oh ouais, enfin, sauf que, en fait, le truc est au milieu. Il n'y a aucun risque d'aller dans l'eau, en fait. Sauf à cause du vent. Oula, là ça doit être bien, enfin il doit bien avoir moyen de faire un trou en un. Mince, tant pis.
Ouf, ouf, mince, tant pis. Mais ça doit être typiquement le genre de parcours où on peut faire facilement un trou en un, mais je suis pas assez bon pour ça. Ah, mais il y en a encore! Waouh! Ah non, c'est fini? Non? Ah bah non, il y en a encore. Ok. On peut pas dire en tout cas que le jeu ait une courte durée de vie parce que il y a énormément de trous dans chaque parcours. Alors. Ouais. Alors, vu la direction du vent, on va aller plutôt là. Je sais pas trop, non, là. Je sais jamais si je vais faire confiance à la flèche ou au petit truc ou à l'espèce de cloche. Non, trop dévié, quoi. Voilà, bon, normal. Ouf. Encore un truc en 4. Ouais. Mince, j'ai oublié le vent. Le truc va être super porté. J'espère qu'il va pas être porté dans l'herbe. Enfin, dans l'herbe haute. Bon, ça va. En plus, il arrive sur un terrain plat. Ce qui est plutôt cool, par contre. Parce que c'est pas souvent. Oh, on est tout prêt. Là, je peux faire un noiselet, il y a moyen. Ouf, j'ai eu peur. J'ai stressé. Pour l'instant, je suis en moins 4, ça va. On peut aller là, mais ouais, à mon avis, ça doit faire gagner du temps, mais ça doit pas non plus être ouf, mais bon, on va y aller quand même. Sauf que j'ai pas mal raté mon tir. Hein. Ouf, oui. Ah. Mince, je suis dans les herbes. Ouh là là. Bon, la balle, elle atterrit où? Elle atterrit ici. Ah, je vais perdre du temps. Mince. Ah, encore? Je fais que des mauvais coups, là. Non, ça va, c'était moins horrible que l'autre coup. Alors, une belle approche. Oh, un noiselet? Ok, j'ai cru que j'avais super mal joué. Finalement, peut-être pas autant que je le pensais. Et j'ai fait l'oiselet. Si j'avais mieux joué, je pense que j'aurais pu faire un double oiselet. Tant pis. Ouh là là. Là, ça devient un peu plus chaud. Ouais, bon, allez. Mince. Alors. Rejouons. C'est 4 coups. Bon, ça va largement le faire. Ouais, j'aurais dû l'approcher un peu plus vers la droite. Le vent m'a perdu. Alors. Ok. J'ai pas du tout tiré assez fort. J'ai eu peur de la rater. Je me suis dit à 1m37. Et à chaque fois que j'ai eu des oiselets, ça a fait un petit badge argenté avec un petit oiseau. C'est marrant. Je sais pas quelle idée ils ont eu d'appeler ça un oiselet en fait. C'est en rapport. Enfin, je vois pas quel rapport avec un oiseau en fait. Là, je pourrais faire un trou en un. Hein, si je jouais vraiment bien. Ce qui n'est pas mon cas. Faudrait vraiment trop bien. Non, là, déjà là, c'est mort, ça se voit. Ouais, non, c'est totalement mort. Oula! Là, par contre, c'est bien pentu. Et mince.
mais des fois il me conseille une force qui m'a pas l'air d'être bonne en fait. Enfin, j'ai l'impression qu'il me conseille une force qui est pas la bonne. Je devrais envoyer une balle plus forte. Allez, on va aller là. Ah, j'ai même pas de balle forte, mince. On est bien porté par le vent, là. Le vent, il va exactement dans le bon sens. Alors. Parfait. Voilà, le vent, il m'a un peu embêté, mais bon. Ouf, sur le vert. Allez. Mince. Tant pis. Oh, arrêtez encore à moins d'un mètre. Parfait. Enfin, parfait, normal, quoi. Plus que 3 trous. On va essayer de couper par là. Hein. Je garantis rien parce qu'il y a le bunker juste à côté. Mais bon. Non, c'est bon, là. On le passe. Ouh, il y a une belle pente. J'avais pas vu ça. J'espère que le vent va m'aider. Mince. J'espère pas avoir trop loupé mon tir, parce qu'il y a quand même des herbes hautes. Mince. Ah non. Ça fait pas plaisir. Mais non, mais c'est bon, de toute façon on n'est pas loin. Bon, c'est bon. Il y a peut-être moyen que je fasse un birdie en plus. Enfin, un oiselet. Ouf. Elle me fait peur à chaque fois. Hein. Alors. Pff. Si j'avais vraiment plein d'assurance, là, je ferais ça. Et genre, je pourrais faire un trou en un, mais non. J'en ferai jamais de ma vie des trous en un, c'est le truc dont je rêve depuis que je suis tout petit. Non, non. J'ai trop peur en fait, le vent c'est pas logique. Allez, allez. Ouais. Voiselé. Bon bah dernier trou, le 18ème. Un trou qui a pas l'air compliqué. Oula, oula, oula! Non, ça allait un peu trop vers la gauche, mais c'est bon. Par contre, c'est un trou en 4, alors que le truc est super loin. Il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Ouais, il n'y a pas du tout droit à l'erreur. Là, il faudrait que je la mette pour faire un oiselet, quoi. Ce qui paraît totalement improbable. Ouais. Allez, on va essayer comme ça. Ah mince, le vent était un peu vers la gauche. J'avais pas vu. Ouf. Bon, normal. J'aurais pas voulu faire un plus un, hein, surtout à la fin. Et voilà, moins 7 sur 18 trous. Moi, je trouve ça convenable. Alors, un nouvel article a été ajouté au magasin. Ah bah, de toute façon, je pouvais toujours y aller au magasin. Apparemment, il n'y avait rien. Ouais, non, ça m'intéresse pas, ça. Je veux pas passer en manuel. Ah, vous revoilà. Félicitations, Kirbendo. Le résultat de cette partie fixe votre handicap à 9.0. Vous avez donc un handicap faible. Vous pouvez à présent participer à un tournoi à handicap. Dans un tournoi à handicap, les golfeurs intègrent leur handicap à leur score brut en fin de partie. Le gagnant est alors le joueur qui obtient le meilleur score net. Dans votre cas, Kirbendo, votre handicap de 9,0 sera déduit de votre score brut. De cette façon, les joueurs les moins aguerris bénéficient d'un avantage grâce à leur handicap élevé. Les tournois à handicap permettent aux joueurs de niveaux différents de s'affronter de manière équilibrée. Maintenant que vous avez obtenu un handicap, vous devriez vous inscrire dans un tournoi à handicap.
Je peux vous inscrire ici même, dès que vous vous sentez prêt, faites-moi signe. Moi je veux bien, mais j'aimerais bien aller à la boutique juste avant quand même. Genre histoire de changer quand même de... Enfin de toute façon j'ai pas d'autres vêtements, mais histoire de changer de... Comment ça s'appelle? De bâton. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? On n'en sait rien. Ah, jardin royal. Ça doit pas être ici. Oh! Non. Une partie d'entraînement sur jardin de pitch. Ah, ça fait bien envie, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, mec. Tiens, tiens. Mais qui voilà? Que puis-je faire pour vous? Donnez-moi des pièces, changez ma main dominante, changez mon... Quoi? Donnez-moi des pièces. Ah ok, il change des pièces de jeu en pièces. Pour combien? 10 pièces de jeu, ça fait... Allez. 10 pièces de jeu, ça fait, oui. Ah ouais, ça fait 1000 pièces. Ah, c'est quand même pas mal. Bon, je vais pas en abuser, mais bon. Allez, au revoir, Kamek. Kamek est débloquable, il me semble. Je crois que pour débloquer les personnages jouables, là, il faut débloquer des médailles... Les médailles étoiles, je sais pas trop comment on les a pour l'instant, mais je sais que c'est comme ça. Waluigi, Daisy... Oh, Mario, Peach... Ok. Bon, ils ont rien d'intéressant à me dire. Mais ils sont là, tous. Il y a même Peach. Enfin, même Bowser, je voulais dire. À mon avis, la boutique doit être pas loin ici. Alors, c'est quoi, là? Un café. Ah, c'est là, la boutique, je pense. Ok, donc ça, c'est des nouveaux vêtements. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ça, le bâton de Mario. Pour l'instant, mon... Ah ouais, ça lui rajoute de la vitesse. Et il coûte cher, par contre. Et ça, ça rajoute de la vitesse aussi. Et c'est quand même mieux que ce que j'ai maintenant, donc je vais le prendre. Alors, et c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah non, mais il y a d'autres trucs en bas, oui, c'est vrai, parce que il y a ce que j'ai débloqué, que je vais acheter aussi. Il n'y a même pas de bruit de pièces quand on achète les trucs, non, c'est comme ça, ça passe. Alors, comment on fait pour se changer? Ah, changer de tenue, ok. Alors, ceci... Alors, en plus, c'est assorti. Bah... Non. Allez, ok. Par contre, j'aurais bien voulu changer de chapeau, mais il n'y en avait pas d'autres. On va essayer de faire un tournoi. Je vais voir ce que ça donne. Ah, bah, en fait, c'est la casquette, surtout, qui est vraiment pas très belle. Alors... Ah bah non, c'était là. Tournoi à handicap. Ouais. Ok, meilleur... Non mais, meilleur score moins 7, en fait, c'est ce que je viens de faire. Je suis en train de refaire ce que je viens de faire. Bon, oh, ouais, non. Ça a l'air d'être... Allez, on va retourner au club. Ça a l'air d'être exactement ce que je viens de faire, en fait. Je vais voir le championnat ce que c'est. Vous revoilà, oui. Bah oui, oui. Participe au championnat de la forêt, vous devez finir sur le podium. Ah, ok, d'accord. Donc je dois quand même faire le truc de tournoi handicap. Ok, donc on va refaire les mêmes trous. Bon, c'est quand même pas super passionnant, en fait. Enfin, il faut refaire ce qu'on vient de faire. En fait, ça va peut-être être un peu différent, on va voir ça. Alors. Ma balle va légèrement plus loin. Même si ça... Pour l'instant, ça me... Je ne vois pas une différence fondamentale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a... Ah oui, je suis coincé par l'arbre, mince. Oh là là, ça par contre, c'est galère.
Je vais chier coincé par l'arbre, je suis obligé de faire le tour. Mince, tant pis. En plus, je suis loin. Bon, je suis pas totalement loin non plus. Allez, allez. Ouf. Voilà. Ouais, belle oiselée, merci. Ah mince, j'ai pas fait gaffe au score. On va le voir juste après. Ouais, ici ça m'a l'air bien. Au-dessus des sapins et tout. Parce que par contre, on passe pas au travers des arbres. Si la balle se prend à des arbres, justement, ça l'arrête. Hein. Ce sont des obstacles. Et là, ça m'a l'air bien. Ouf. Tant pis. Non, je suis trop loin. Les... Non! Oh! Bon, une normale. Alors, le score. Donc là, je suis troisième. Il y a Wiggler, Baboum, Roi Baboum, Chipin et Mogu qui sont devant moi. Ouais, ça va être chaud quand même parce que j'ai un handicap très élevé par rapport à eux. Et ils ont déjà un score de 3 en haut. Ils jouent très bien. Ça, il n'y a pas à dire. Alors. Moi, par contre, je joue vraiment pas très très bien. Ah mince! Oh là là! Si je faisais un trou en un là, ce serait tellement le truc rêvé quoi. Allez, faut marquer, faut marquer. Oui. Je suis passé premier. C'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas encore joué ou je sais pas, mais non, ça m'étonne quand même. Alors, là c'est loin. Mais j'ai plein de coups puissants donc les coups puissants pour échanger, faut appuyer sur Y. Mais regardez, là, il y a un petit 5, maintenant, parce que j'en ai plus que 5. Mais donc, faut faire gaffe, hein. Des fois, on en a 0 dans certains niveaux, des fois, on en a qu'un, des fois, on en a plusieurs. Faut faire attention. Mais là, c'est bon, j'en ai pas mal. J'aurais dû aller plus vers la gauche, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Alors... Non, c'est une blague. Bon, allez, bon, un oiselet quand même, mais bon, si j'avais fait un moins 2, ça aurait été bien. Ah bah, je suis premier, mais égalité avec Baboum. Il s'en sort pas trop mal, apparemment. Bon, on va tenter ça. C'est vraiment parce que... Parce que si je tente pas, je vais me faire trop vite dépasser, mais... Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais pas tenté. Ouais, bon. Bon, en fait, c'est le bunker qui me faisait peur plus que les armes, mais c'est bon. Mince! Ah, ça c'est très mauvais. Oula, et en plus le vent. Pourquoi j'ai pas fait plus gaffe, quoi? Ah, ça m'étonnerait que je la mette. Ça s'arrêtait juste avant. Ouais, en plus, juste à côté. Elle est normale. Bon, j'ai bien baissé dans le score, là. Moi, je suis toujours premier. Mais égalité. Mais je crois que les autres, ils sont pas mal... Enfin, ils sont assez loin derrière. Oh. Je fais plus de coups parfaits, là. Ça va pas du tout. Ouais, là ça m'a l'air bien. Allez! Ah non! Trou en 5, c'est bon. C'est pas trou en 4, donc ça va.
juste avant, c'est bon, je vais faire un oiselet, ouais. Non! Quoi? J'ai fait le truc parfait en plus. Oh, et ça me fait un normal. Oh, j'ai fait le tir parfait qu'il me conseillait, quoi, et fallait pas en fait. Bref. Alors. On va passer directement là-bas. J'ai pas confiance de faire l'étape vers la gauche. Je tirais trop loin pour ça. C'est un tir en 4. Voilà, ça a l'air bien. Allez, le vent, mais... J'ai l'impression que le vent, en fait, il est là que pour m'embêter, en fait. Quand j'ai besoin de lui, il est jamais fort. Mince, ça c'est loupé, c'est loupé. Et ouais, c'est loupé. Pff, comment je fais mon compte? On devrait pouvoir relancer ses tirs quand on les loupe. Ah là, je passe deuxième, bon sang. Enfin, pour être sur le podium, faut être dans les trois premiers, mais bon. Enfin, c'est que c'est pas fini, surtout. Allez. Bon, on va essayer. Ah, j'aurais dû le faire en coup puissant. Pourquoi j'ai hésité? Là, je l'aurais pas. Non, juste avant. Non, mais j'ai loupé des coups faciles, quoi. Là, en plus, j'ai cru que j'allais le louper. Ça m'aurait fait chier. Quoi? Je passe cinquième. Mais j'étais tellement bien placé, enfin tellement bien parti. Alors ça, il y a tellement moyen de le mettre en un. J'y arriverai jamais. Donc moi déjà, je suis totalement dévié. Oh, oh là là, en plus ça c'est très très mauvais. Très très. Oh là là, je vais faire une normale, dans le meilleur des cas. Oh non, oh, oh là, c'est même pas une normale. Bogey. Oh là là. Je suis cinquième, avec qu'un point de retard, mais bon, oh là là. Allez. Faut absolument que je fasse un oiselet à un moment. Allez. Voilà, c'était bien. Là, je dois arriver sur le green impérativement. Ouais, non. Ça monte trop et donc le vent il a une trop grande influence. Ah ouais, là je peux faire un. Ouais, là je peux faire un oiselet. Hein. Allez, allez. What? Quoi? À 0,12 mètres, mais quand je disais que j'avais une malédiction, genre avant, ça m'arrivait. Mais enfin, durant la démo, mais ça m'était plus arrivé depuis le début du jeu, bah disons que maintenant c'est bon. C'est mort. Il y a beaucoup de vent. Hein. Mince. Il y a beaucoup de vent et c'est un super mauvais tir. Pas les herbes hautes. Oh, je me suis pris les feuillages en plus. Heureusement qu'il n'y a pas de pénalité pour ce genre de choses. Alors... Ok, où est-ce que je vais atterrir là? Mince, je suis super loin.
Je le veux, cet oiselet, pitié. Oh non! Mais je joue beaucoup, beaucoup plus mal que je jouais tout à l'heure. J'aurais pas dû bien jouer à l'entraînement, en fait. Je suis quatrième? Ah oui, égalité. En fait, j'aurais dû mal jouer à l'entraînement, comme ça j'aurais eu un handicap pourri. Mais non, j'ai trop bien joué. Là, super, mais je peux plus aller là-bas. Bon, tant pis, on va faire classique. Allez. Alors. Oh, c'est chaud en 5 coups. Sans coups puissants. Ouais, bon, on va voir. Hein. Pour l'instant, ça va en fait. Allez. Non, non. Bon. Allez, allez, allez. Oh. Je savais qu'elle allait s'arrêter juste devant. Allez, normal, encore. Bon, je suis remonté, mais bon. Je voudrais encore remonter, quoi. Il reste plus beaucoup d'occasions. Allez. C'est quand même assez frustrant, le golf, quoi. Surtout comme on voit pas jouer ses concurrents, on sait absolument pas quelles sont les tactiques, quelles sont... En plus, ça se trouve, ils ont triché, ils avaient peut-être même pas de vent. De toute façon, vu comme je joue, même si j'aurais du vent, même si j'avais du vent, ça ne me changerait rien. Je serais pas bien meilleur. Allez. Oh non. Je comprends pas. Il nous conseille un truc, mais en fait, non. Ah là là. Eh, mais si je finis quatrième, quoi, juste sur la marge du podium, ça va m'énerver. Oh là là, pourquoi elle est déviée à la fin, je comprends pas. Ouf, allez, une normale, un oiselet. Voilà, donc je suis remonté, c'est bien. Peach et Mario, ils jouent bien. J'étais allé par là-bas la première fois, mais... Pff, allez, on va réessayer. Mais j'ai plus de coups puissants en fait. Ça se trouve les coups puissants c'était pour la totalité du truc et pas juste pour quelques-uns comme je croyais. Enfin pas pour chacun comme je croyais. Donc en fait je les ai bêtement utilisés pour des endroits où j'en avais pas besoin. Ce qui m'étonnerait pas de moi en fait. Allez le vent mais... Le vent qui fait jamais ce qu'il faut. Et voilà, ça va finir en normal, ça. Ouf. Oh, si ça s'était arrêté, mon dieu. Alors, c'est bientôt fini, je pense. Enfin, ça me dit quelque chose, en fait, là. Ouais. Allez, on va faire comme ça, ouais. 5 coups. C'est bon, ça va les faire. Oh oui. Ah non, je rebondis trop, en fait. Oh non. J'aurais fait un double oiselet, quoi, mais non. Bon, je suis bien remonté. Non, là, je suis assuré, hein. Ça m'étonnerait que Wario remonte de 2 points. C'est possible, hein, mais... Espérons-le pas. Mince. C'était très mauvais comme tir. Ouf.
Ça, je crois que je comprends. Oh non! Pff, mon Dieu, je n'en reviens pas. Oh, ok, Peach, elle a mal joué là. Bon, j'aimerais bien être premier. Non, premier, ça paraît assez improbable. Contre Mario. Alors là, c'est... Ah oui, c'est le dernier, le 18e, ok. J'avais oublié. Allez. Là, c'est pas le moment de faire des bêtises. Faut assurer sa place maintenant. Je suis loin là. Voilà. Ah mince. Et je l'ai dépassé de loin. Ouf, c'est bon. Alors je suis combien là? Deuxième. Ouf. Bon ben c'est bon. Je suis arrivé sur le podium, qu'à la deuxième place, mais 12,9, comme on peut voir, hein, 12,9. C'est quoi ça? Et j'ai amélioré mon handicap. Et j'ai des chaussures de Bloops, trop cool. En fait, je crois que c'est les mêmes tenues que dans Mario Tennis Open. Alors le repère indique la portée globale du coup, ajuster la puissance, ok. Bon ben super. Ah, vous revoilà. Bah oui, me revoilà. Bon, on va rester là pour cet épisode un peu plus long. Et la prochaine fois, je pense qu'on va tenter le championnat. Donc merci à tous de l'avoir suivi, et à la prochaine. Bye!